Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, peut-on dire que l'hôpital était organisé autour de 5 services? Un service de médecine générale, un service d'obstétrique, où on pouvait notamment pratiquer les accouchements, un service de production de médicaments, ce service étant divisé entre le service de production des médicaments traditionnels et des médicaments modernes, le service qui s'occupait des cuisines et le service qui s'occupait de la formation. Est-ce que cette organisation correspond à ce qui était en place à l'hôpital de Tramcock? Et est-ce qu'on peut dire que vous supervisiez chacun de ces services, ou bien est-ce qu'il y avait des services dont vous n'aviez pas la charge? Vous avez dit, par exemple, hier qu'on pratiquait des césariennes à l'hôpital. Qui pratiquait des césariennes à l'hôpital dont vous étiez le directeur? Est-ce que vous-même vous pratiquiez des accouchements? Et qu'est-ce qui se passait en cas d'urgence? Vous étiez responsable de la formation de votre personnel. Et est-ce que c'était une formation médicale et une formation politique? Qui était responsable du recrutement du personnel? Est-ce que c'était au niveau de l'hôpital qu'on décidait du recrutement? Est-ce que c'était au niveau du district, au niveau du secteur ou au niveau de la zone? Qui était responsable? ហើយនោះពេទ្យស្រុកមិនមានសិទ្ធិទេគឺចវាយស្រុកបញ្ជូនមកជូនឲ្យពេទ្យជូនបើនារីប្រាប់សេសបុតមួយប្រាប់មកថានារីនេះឲ្យមនុស្សក្នុងពេទ្យហ្នឹងរៀនធ្វើពេទ្យបងយុវជនក៏ចឹងដែរ
Vous nous avez dit hier que la majorité du personnel était un personnel féminin. Et j'ai lu également que l'ENCAR ne faisait pas confiance aux personnes qui avaient fait des études supérieures. L'ENCAR privilégiait les femmes paysannes parce qu'elles n'étaient pas allées à l'école comme les autres, parce qu'elles étaient trop occupées à travailler pour la révolution. Est-ce que c'est la ligne qui était suivi pour recruter du personnel à l'hôpital? Est-ce qu'on privilégiait les femmes et est-ce qu'on privilégiait les femmes originaires des classes paysannes, éventuellement des classes paysannes les plus pauvres? Vous-même, vous avez dit ceci. L'ENCAR ne voulait pas choisir des personnes trop éduquées qui auraient pu le trahir plus facilement. Les intellectuels auraient pu trahir parce qu'ils savent réfléchir. Moi, je comprenais les procédés du régime et je faisais attention à ne pas tomber dans l'erreur. Alors, c'est à la cote D313-1.2.409, ERN en français, 0080-86-36-37. Est-ce que vous confirmez ce que je viens de lire? Quel âge avaient les jeunes femmes ou les jeunes enfants quand vous envoyez comme personnel pour travailler à l'hôpital? Quel âge avaient ces personnes? Ces enfants, parce qu'à 13 ans, on peut dire que ce sont des enfants, est-ce qu'ils savaient lire? Quelles étaient leurs attributions? Est-ce qu'elles effectuaient des piqûres? Est-ce qu'elles effectuaient des injections? Et à quels médicaments avaient-elles accès? Liang sarang, liang jul, sengau sarang, sengau mjul,
ថាប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើពេលនារីធំធំដែលត្រូវការចាក់ថ្នាំជួយជំងឺជួយអីត្រូវចាក់ថ្នាំអីនោះគឺគេពេទ្យបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់នោះរត់មកសួរខ្ញុំភាសាគ្នាមួយខ្ញុំហើយបានខ្ញុំទៅមើលជំងឺហើយបានអោយចាក់ថ្នាំ Je suppose que vous n'étiez pas là pour chaque injection, monsieur. Il fallait qu'elles aient un minimum de degré d'autonomie. Est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des accidents? Bánh thân em khẳng phí, bọt thật cam ấy có miền nhưng mà đo mà cả đây. Et ça aboutissait à quel type d'accident? Chúng chăm sóc data nè, bây giờ miền cột nại nữa nè, ta miền tập hết cột nại chẳng mấy cả. Bạn cột nại nông cá phía ba, nông cá chặt nắm rồi có nông cá phía ba này. Alors, je vais peut-être être plus précis. Vous avez également fait état de problèmes concernant l'injection de sérum. C'est dans le document D313-1.2.409. C'est également une de vos interviews auprès du DICICAM. Et c'est à l'ERN en français 0080-86-63, 62 à 63. Vous avez dit ceci. À propos donc du sérum. On redoutait qu'il tue les malades après l'injection. លោកចក្រមអាចផ្ដល់លេខ Bien, bah écoutez, je crois que je vais passer à une autre question parce que je n'ai pas les IRN ni en Khmer ni en anglais. En Khmer, c'est particulièrement difficile pour moi parce que je ne lis pas le Khmer. Est-ce que vous souvenez d'incidents concernant des malades qui sont décédés après des injections de sérum? ខ្ញុំបាត់លុយចេះអត់ចាំខ្ញុំបាត់ដែលមានអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារបតោកសរុមអីគឺដូចកាលហ្នឹងដោយអត់មានហើយក៏ខ្ញុំបាត់ភ្លេចមិនខំហ្នឹងខ្ញុំបាត់អត់ដែលមាន Est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu des instructions concernant la fabrication de remèdes traditionnels?
lê khá sốc chia sẻ cho vài sốc nắng còn ôi sức nhóm đơ và mô ta sẵn cùng một cách tam phun nắng mô chuối thư thần nam bờ ràng ta sẵn cùng một cách nâng nè cả là chê thần nam ca bia rốt ni chê thần nam ca bia rốt nụ ấy chẳng nốt nhóm bán đơ và mô mô bán chìm xé mà nó chết cái nhóm nắng bán bây nè bên sạp bạc đó hay lâu sạp bạc đó từ năm bà đang nằm khóp nên rước chơi rước rây nắng tại cái nhóm bán bình cứ ọt chê thì mình chê từ năm bà đang nắng sọc Est-ce que le nommé Tapun, qui faisait partie du bureau des affaires sociales du district, était quelqu'un qui était spécialisé dans la médecine traditionnelle? Thông đây, vấn đề còn sạp bạc đây, ta bún chìa mình nữa, lo. Est-ce que une soignante dénommée Tan était également chargée de fabriquer des médicaments traditionnels? Est-ce que vous connaissiez une personne qui s'appelait Tan et qui était en charge de la fabrication de remèdes traditionnels? Entre autres choses. Bác nhóm ổn sqoal mô tàn nâng phóng. Nous avons au dossier un article qui a été écrit dans la revue Searching the Truth, publié par le DICICAM. Cet article a été écrit par Sokim M. Sokim M est la personne qui vous a interviewé, monsieur, pour le compte de DICICAM et qui a apparemment interviewé un certain nombre de personnes. Donc le document question est le document E3-1919. L'IRN en français est 00-78-03-96. L'IRN en anglais et 00-08-05-05. L'IRN en Khmer et 00-18-53-98-405. Je ne sais pas exactement l'IRN précis, mais je pense qu'il doit être à la page 402. Il est dit ceci. Tan, une spécialiste de la médecine traditionnelle dans un hôpital de Tramkak, a déclaré que Tapum, le responsable de la fabrication des médicaments, lui avait donné pour instruction de mélanger des vésicules biliaires humaines avec de la farine et une série de plantes, puis de transformer le mélange en petits comprimés appelés les crottes de lapin. Est-ce que cela correspond à quelque chose dont vous avez entendu parler ou à vos souvenirs?
ตามเพียงดังได้ตาตากอดเธอธนบุราณเนาะประมาทมนุษย์ประมาทนี้เหมือนประมาทมนุษย์ยืนเด้คือดำประมาทมนุษย์เลี้ยงจมวยไอ้เซ็งเซ็งเทียดเอาเธอธนดำประมาทมนุษย์เมียนนะอันนั้นธนดำประมาทมนุษย์นั้นเราขอรวมสาบาน S'agissant des médicaments modernes, est-ce que vous en receviez suffisamment? Est-ce que vous faisiez pas de demandes auprès des autorités supérieures? Et quelles étaient les réponses que vous receviez? การนักว่าให้เจ็บแซ่คือว่าเจ็บประจำยังมองไหนนะก็เมียนเมียนติดตัวสนาเต้ากอดบานได้ปัญญาการนาเมียนคือเมียนมองดังไงนามดังแค่น้าสาวไงนาเมียนคือเมียนมองหมอดอลนั้นก็มันเจริญเนี่ยสำหรับเชียบาลเนี่ยอย่างนี้แต่พี่ใบไงนั้นอ๋อให้ก็เหม็นกรุบมุกเลยเมียนติดตัว De quel médicament vous manquiez le plus? ខ្វះថ្នាំអីខ្លាំងជាងគេ។ណាថ្នាំដែលខ្វះជាងគេធៀបពិតគឺខ្ញុំមិនដឹងថាថ្នាំណានេះទេប៉ុន្តែបើអ្នកជំងឺខ្លាំងដែលខ្ញុំមិនដឹងថាឈឺអីនោះអានឹងគឺខ្ញុំទៅជូនទៅពេទ្យតំបន់នោះគឺអត់ដឹងថា L'hôpital de secteur avait plus de médicaments que vous? Nong mien thanam chran chieng lok ru ko yang na. Et en cas de pénurie de médicaments, est-ce que vous aviez des instructions pour que les rares médicaments dont vous disposiez soient donnés à telle personne plutôt qu'à telle autre? Est-ce qu'il y avait une certaine discrimination dans les traitements apportés aux malades à l'hôpital? บ้านจมพูเนี่ยจมือออดเมียนเรื่องเอาไงเต้คือบ่เนี่ยนาชื้อเอาใจคืนนี้จังเด้าบ่เมียนเนี่ยสอลบ่เมียนเนี่ยจมือมวยสอลให้นู่นไงมาเป็นตอนนี้นั้นยืนใจจะอ้อยให้นั้นอ้อยกอดใจคืนนี้เต้า Est-ce que vous pouvez nous dire quels médicaments modernes vous produisiez à l'hôpital? ថ្នាំសម័យដែលមន្ទីរពេទ្យលោកផលិតនោះមានថ្នាំអីខ្លះបានធាតុពិតខ្ញុំបានផលិតថ្នាំនោះមិនមែនផលិតនៅខ្លាំងជាងគេដែរចេះខ្លាំងនិយាយតែបិទសេរ៉ូមបិទទឹកធ្វើសេរ៉ូមសម្រាប់លេខថ្នាំ ដូចជាខ្ញុំបានទៅទិញថ្នាំមេថ្នាំបានមកដូចជាបេឌូបេអងកងពូកាល់ស្យូមអីហ្នឹងបានបិទទឹកបានហើយលាយយកទៅព្យាបាលជំងឺតែប៉ុណ្ណឹងមានថ្នាំតែប្រមាណមុខហ្នឹងទេអត់មានច្រើនទេដោយសារមានមេ
Je vais passer maintenant à un autre sujet et je voudrais que nous reparlions un petit peu de Krang Tan Chan. Hier, vous avez dit donc que vous aviez, été, vous aviez reçu une lettre du chef de district vous demandant d'aller à Krang Tan Chan pour y répondre du DTT parce qu'il y avait des moustiques et qu'il y avait de la malaria. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Vous avez dit que vous avez rencontré le directeur, le responsable de Krang Tan Chan, et vous avez dit qu'il s'appelait Ta An. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que vous savez si Ta An était le parent d'autres cadres du district? Et en particulier, est-ce que vous avez entendu dire qu'il serait le frère cadet de Yei Pun? Pas Yei Bun, Yei Pun. Mais si vous savez pas, c'est pas grave. Est-ce que vous avez également déclaré, c'est dans votre audition E319.1.22, pour réponse 125 à 128. Vous avez dit avoir entendu des cris de plainte des prisonniers. Est-ce que vous confirmez cela? Et selon vous, il y avait combien de détenus à Krang Tan Chan? Est-ce que vous êtes rentré dans les bâtiments où il y avait des détenus? Et est-ce qu'on vous a dit si à l'intérieur de ces bâtiments il y avait des insectes? Est-ce qu'on vous avait demandé d'amener d'autres produits que du DTT à Krang Tan Chan ou est-ce que c'est le seul produit que vous ayez amené là-bas?
bạn chỗ tổ kèng thạch chán nâng nhưng bạn phải giặt phải giấy khi sợ ở tổ bánh tổ nghiệp rằm nhé miền thùng bánh thần nam pram chân lia đi đề tê nâng hơi vì cái lệnh tấu tôi đó bánh cả là món hơi lọc một bình mòn Mais est-ce que vous avez amené des médicaments pour les détenus ? Est-ce que vous avez amené de l'alcool pour éventuellement nettoyer, désinfecter ? Est-ce que vous avez amené des produits ? Est-ce qu'on a fait des demandes en ce sens-là ? Vous n'avez jamais reçu du centre de sécurité de Krang Thang Cham la moindre demande de médicaments ou de produits. Est-ce que vous vous souvenez si dans les bâtiments, si en haut des bâtiments ou accrochés aux bâtiments, il y avait des haut-parleurs ? Et est-ce que vous avez entendu de la musique ou des chants ? Vous avez également parlé d'une personne qui s'appelait Dan et qui aurait travaillé au bureau du district. Est-ce que vous en souvenez ? Đón phải cho bọn ấy chia ảnh nụ và thiên ở đây là bốt hát nấu khét bạch bòn Est-ce que vous pourriez répéter votre question parce qu'on a eu un problème d'interprétation, on n'a pas eu votre réponse, monsieur. Est-ce que Dan, qui faisait partie du bureau du district, a à un moment donné été envoyé à Krang Thang Cham ? S'agissant du personnel de l'hôpital, qui était en responsable de la discipline du personnel ? Est-ce qu'il y avait des problèmes de discipline concernant le personnel de l'hôpital ?
et quel type de problème. Il n'y a jamais eu de sanctions prononcées à l'encontre du personnel de Krangton Chan. Le personnel se comportait toujours bien avec les malades, bien, puisque parfois ils étaient, est-ce qu'ils pouvaient leur manquer de respect. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si des décisions étaient prises au niveau de l'hôpital ou au niveau du district concernant le mariage des membres du personnel de l'hôpital? Et selon vous, ces mariages, les personnes concernées, elles étaient au courant de ce qui allait se passer? Est-ce qu'elles étaient d'accord pour ces mariages ou pas? Donc, personne, selon vous, n'a été forcé d'épouser quelqu'un qu'il ne voulait pas épouser. Est-ce que le nom de Ing Wut vous dit quelque chose? Pourtant, vous avez fait de longues déclarations la concernant, mais ce n'est pas grave. J'aimerais maintenant que vous nous donniez quelques informations concernant votre famille. Vous avez combien d'enfants, monsieur? Est-ce que certains de vos enfants ont exercé des responsabilités, que ce soit dans le district de Tramkak ou ailleurs, pendant la période du Kampuchea démocratique? ពេលនោះគឺកូនខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកតាមកក់ទាំងអស់គ្នាកូននៅតូចៗទាំង 5 នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកតាមកក់
Est-ce qu'un de vos fils aurait été le responsable des jeunes du district de Tramkak? Est-ce qu'une de vos filles est allée vivre avec Tamok? Donc, elle avait quel âge quand elle a vécu avec Tamok? Et jusqu'à quel âge? Est-ce que vous avez un neveu qui a commandé un régiment qui également était parti avec Tamok, régiment qui dépendait, qui était sous les ordres de Tamok? Est-ce que le nom de Yep Duk vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez eu l'occasion, pendant la période du Kampuchea démocratique, de vous rendre à Leibo, la coopérative de Leibo? Vous receviez des médicaments, de l'aide de la part de la Chine? Est-ce que le personnel de l'hôpital savait lire les étiquettes ou les notices des médicaments rédigés en chinois? Bah,
បុគ្គលិកពេទ្យមិនចេះអានភាសាចិនជារួមឲ្យភាសាបរទេសបុគ្គលិកពេទ្យខ្ញុំគឺអត់ចេះមើលហ្មងអត់អានមិនរួចអានមិនដឹងគឺអត់ចេះអាន Mais vous, vous pouviez lire en français. Revenons à Leibo. Qui était le directeur, le secrétaire de la coopérative de Leibo? Et qui était au sud de Takit? Est-ce que c'était le secrétaire de district? Alors, je vais demander, Monsieur le Président, si cela est possible, que l'on présente une photo au témoin. Cette photo est extraite d'un documentaire, une vidéo qui se trouve à la référence E3-3091R. Et je précise que cette photo apparaît à l'horaire suivant, 43 minutes 35 secondes sur la vidéo. Voilà, monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez la personne qui apparaît sur cette image? Je ne sais pas si on peut la montrer sur les écrans pour les parties. Non, c'est pas enfin. Alors, je répète, il s'agit d'une image qui est prise à l'horaire suivant, 43 minutes 35 secondes. Voilà, donc, monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez la personne qui apparaît sur cette photo?
Bien. Alors, on va revenir à la question que je voulais vous poser à la lecture du document auquel j'avais commencé de faire, puisque maintenant j'ai les ERN dans les trois langues. Alors, je précise que je vais donner lecture du document D313-1.2.409. ERN en français 00-80-86-63. ERN en anglais 00-72-90-78. ERN en khmer 00-41-18-863. Il est dit ceci à propos donc du sérum. On redoutait qu'il tue les malades après l'injection. Si c'était le cas, le fabricant courait lui aussi un danger mortel. Moi, au départ, je le testais sur des rats. Après, je pouvais faire des injections sur les hommes. Un villageois appartenant au peuple du 17 avril est venu chercher des médicaments à ma commune. Il est mort sur le coup alors que le soignant n'avait pas encore retiré la seringue. Il nous restait trois ampoules. J'ai testé sur un rat qui a immédiatement succombé à l'injection. J'ai fait appeler les soignants et le chef de la commune à venir voir mon test sur un chien. Il est mort immédiatement après l'injection. Question. Qu'est-ce qu'il se passait quand quelqu'un mourait? Réponse. Rien. Parce qu'il venait nous demander lui-même le sérum avec lequel la soignante lui faisait l'injection. Quant à elle, elle est idiote, illettrée. Et surtout, quand elle faisait une injection intraveineuse à sa demande, sa mort était rapide. Il se pouvait qu'il souhaite mourir, comme tout le monde face à la dureté du régime. Sauf moi, peut-être. Comme je vivais assez confortablement, je pensais toujours à ma survie. Est-ce que ce que je viens de lire vous rafraîchit la mémoire, monsieur? បាទខ្ញុំបានចង់ចាំឡើងវិញប៉ុន្តែមិនមែនពេតហ្នឹងគាត់មានថ្នាំយកទៅចាក់អ្នកជំងឺហ្នឹងទេគឺអ្នកជំងឺហ្នឹងកាន់ថ្នាំមកឲ្យពេតហ្នឹងចាក់ពេតហ្នឹងមិនព្រមចាក់គាត់ថាអ្នកជំងឺហ្នឹងប្រាប់ថាខ្ញុំនោមភ្នំពេញនោះចាក់តែថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានពេតហ្នឹងគាត់ចាក់ទៅចាក់ទៅគាត់មិនតន់ដកជុលផងគាត់ស្លាប់បាត់ Bien, je vous remercie, monsieur le témoin, pour avoir répondu avec patience à toutes mes questions. Je n'ai pas davantage de questions à vous poser. បាទអរគុណបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសំរាប់សម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់នៅថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង1:30នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំទីមេបតាថៃនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់ថៃរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នឹងអញ្ជើញគាត់ រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាបកគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតសកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដានការនេះនៅវេលាម៉ោង6:30នាទីរសៀលនេះប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាលសន្និបាតនេះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដានការនេះវិញនៅរសៀលនេះបានមុនម៉ោង 6:30នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ